Le titre de l'exposition est It's Only You. Et en fait, j'ai rencontré Martin Kippenberger à Vienne en 1995, je crois. Et on a passé une longue soirée dans un restaurant où il a dessiné un portrait de moi, comment il me voit à l'âge de 60 ans, que j'ai largement dépassé et je ressemble heureusement toujours pas à ce portrait qui est assez monstrueux. Et il m'a prédit mon futur, il ne s'est pas trompé sur un seul élément, tout était juste. Et il a donné le titre « It's only you ». Mais il m'avait dit que je vais être seule, en fait, pendant très longtemps de ma vie et qu'il va falloir beaucoup de temps. Il voit que j'ai quelque chose à faire, et ça va être laborieux et ça va prendre beaucoup de temps. Ce qui était tout à fait le cas, mais là je suis à ce moment-là où je trouve que c'est le bon moment. Et du coup, j'ai donné ce titre à cette exposition qui joue sur la solitude et sur la singularité. Le travail vient au départ d'un jeu d'enfant produit aux États-Unis, au départ, qui est pour des enfants plus 4 et qui est un bloc avec des surfaces très planes, de toutes les couleurs de visage, de femmes diverses, avec des couleurs de cheveux différentes. Et à la fin du bloc, il y a des sticker pads de yeux, de bouches, de petits objets de décoration. Et l'idée au départ, c'est de créer une femme parfaite. Et moi, j'utilise ce livre et je déchire, je construis, je déchire, je redéchire, je reconstruis. Et peu à peu, moins que j'y pense, mieux est le travail, se créer ces portraits. La découverte de ces livres s'est faite pendant un goûter à Vienne, dans un appartement d'amis, il y a quelques années de ça. Il y avait une petite fille qui à l'époque avait 3 ans ou 3 ans et demi qui s'appelle Anna et qui m'a montré une page de ce jeu d'enfant qu'elle a reçu en cadeau quelques semaines avant où elle a pris des éléments et elle les a collés. C'était un geste qu'on peut avoir les enfants entre créativité et rage où elle a collé très sauvagement des éléments de ce jeu sur ce visage. Et elle m'a montré ça, et j'étais d'ailleurs tellement épatée qu'elle me l'a donné en cadeau, je l'ai toujours. Et j'ai regardé ça et je me suis dit, ça c'est un chef-d'œuvre en fait. et c'était ça la première inspiration pour ce travail. Ça m'a pris très longtemps d'arriver à trouver cette liberté en fait, de traiter avec cet objet. Parce qu'en fait, on te pousse à une espèce de conformisme de faire ce visage parfait et il fallait trouver une liberté de quand même faire des portraits, mais déconstruits et sauvages d'une autre manière, peut-être. J'ai mis dans la petite salle intermédiaire, j'ai mis un autoportrait de 2011 c'était des photographies où je découpais une partie de la photo que je répétais 30 fois et je collais une fois sur l'autre. Donc il y a une partie de l'image qui est en relief et je trouvais que ça faisait un lien avec ces collages ici en fait. Il y a une chaise aussi dans l'espace intermédiaire avant qu'on rentre dans cet espace avec les collages, qui est en fait un collage, parce que ce sont des chaises que je trouve, je collectionnais beaucoup de chaises pendant longtemps, surtout à Paris, ce que j'ai trouvé dans la rue. Et j'ai créé au départ pour un film des chaises qui sont des traveling chairs, où j'ai construit pour chaque chaise une structure spécifique. Donc chacune individuellement avec des roues pour pouvoir se promener. Alors au départ c'était pour faire des travelling et ensuite l'idée de la chaise de voyage, donc du travelling chair me plaisait bien. Donc sur cette chaise on peut se promener, on ne l'utilise qu'à deux, donc on peut être poussé ou pousser l'autre et on peut aussi si on veut
traversé l'exposition ici avec cette chaise, sur cette chaise. Elle est aussi devant le miroir de l'installation de Toroni, parce qu'on peut aussi s'asseoir dans cette chaise et se regarder. Donc quand on se regarde dans le miroir, on a un autoportrait de soi. Quand on quitte la chaise, mon autoportrait en face et se reflète dans le miroir. J'ai commencé à accrocher d'une manière au départ très très classique et très régulière, qui n'était pas tout à fait ça. Et avec Eric, nous avons décidé, sur une idée qu'il a proposée, de penser à une grille régulière, donc ça tient de la géométrie, de la mathématique, de créer des espaces intermédiaires et des espaces pour les images. Et du coup, ça a permis d'être irrégulier dans une régularité. Et je trouvais ça absolument brillant et je me suis prise au jeu et je me suis beaucoup amusée. Et le résultat, pour le moment, je trouve qu'il est beaucoup mieux que le départ qui était classique, mais pas ça. Sans que des groupes créent des narratifs, parce que le danger était que plusieurs images ensemble peuvent peut-être faire comme s'il y avait une histoire qui voulait se raconter. Et là, je trouve que les images arrivent à exister tout en elles-mêmes, ce qui est important, tout en n'ayant pas une suite linéaire simple.